Bien l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pêche à l'aimant avec le petit cobra. Salut. Il est là. Donc là, petite sortie imprévue. Hein. On ne devait pas sortir aujourd'hui, mais bon, comme je devais sortir en détection et malheureusement ça s'est pas fait, donc j'ai contacté Jean-Claude, un autre guide sur le secteur de Pont-à-Mousson, hein, qui nous a accueillis la dernière fois chez lui. Hein. Il y aura Jean-Claude du coup, qui est venu me chercher à la maison, donc un grand merci à lui. Hein. D'être se déplacer, c'est sympa. Et là, il est parti à la gare chercher le restant de l'équipe, hein, Popeye qui va nous rejoindre. Hein, donc, on va être à 3 pêcher aujourd'hui. Hein. Donc, là, sur le secteur de Pont-à-Mousson, et on est juste en face d'où on a pêché la dernière fois. Je vous montre, hein, on est en dessous d'un pont. Donc, on va tester ici, puis on verra bien, ce qu'on trouve. Hein. Donc voilà, je tenais à remercier tous les donateurs pour la cagnotte Litchi, super, super généreux de leur part. Je voulais faire un petit coucou à la famille 12-12 qui sont pas là malheureusement, mais c'est que partie remise. Ils reviendront bientôt pêcher avec nous. Donc voilà, petit clin d'œil pour toi poteau et à la famille. Et donc nous on va se préparer là, on va faire quelques lancers. Il y a Popeye qui a investi dans le double face 800 kg bulldog de la maison de la détection. Donc on va pouvoir enfin tester. Hein, c'est un aimant que beaucoup de gens parlent en bien. Donc après voilà, moi j'écoute pas trop les on-dit, j'aime bien tester moi-même. Donc on testera ça et puis je vous dirai ce qu'il en est, ce qu'il vaut, et etc. etc. Donc je bavarde pas plus, on va faire quelques lancers ici en attendant que le reste de l'équipe arrive. Bon, on vous reprend là, regardez. T'es fatigué? On va reprendre. Il y a une poutre de trop. Donc là, elle est tombée sur une poutre là, ouais. Ça fait au moins 300 kg. Donc là, il y en a un pêcheur qui est dans l'eau. Hein. Il va essayer de nous aider à la sortir, mais c'est balèze. Hein. Vous faites une petite chaîne YouTube ou quoi? Ouais, ouais. Là, 12-12, là, on a besoin de toi là. Ouais. Tu voulais une dédicace? Allez là, viens la chercher, gros. Viens la chercher. Viens la chercher, la dédicace. Grosse dédicace là. Ouais. On va vous reprendre une fois qu'on l'a sorti. Ah là, je l'ai testé, c'est bon. Elle est balèze ou elle est pas balèze? Elle est balèze. Regardez-moi ça. Allez, au moins 200 kg, hein, facile. Hein. Wow, truc de ouf. Bon, on en a chien. Bon, on a un pêcheur qui nous a donné un coup de main là, qui est descendu dans l'eau pour la pousser par en dessous. Sacré morceau. Hein. Donc, maximum de likes là-dessus et de partage et de commentaires. Voilà, pour nous encourager à faire de la dépollution comme ça. Vous savez quoi, je suis mort. Voilà. Bon, petite dédicace à l'ami belge Salvatore. Elle est pour toi celle-ci. Voilà. Bon, allez, sur ce, on continue. Bon, l'équipe, on vous reprend. Là, on est parti en face, on était la dernière fois hein, avec l'équipe. Donc là, je viens de remonter une table et il y a un monsieur qui nous a dit qu'apparemment le café, ils lui ont volé la table. Donc on a dit si la patronne veut la récupérer, hein, elle peut la revoir, hein, un petit coup de nettoyage je pense, et puis voilà. Allez, on continue. Bon, on vous reprend, je vous raconte le petit délire de la table là, qu'on vient de sortir. En fait, comme j'ai dit, hein, il y a un passant qui est arrivé en disant est-ce que la table s'était marquée je sais plus quoi dessus. Et en fait, la gérante s'était fait voler la table. Et du coup, il a été lui dire qu'on l'avait repêché. Donc la propriétaire du café va nous offrir un café pour nous remercier de lui avoir retrouvé sa table. Hein. Donc voilà, encore une bonne action. Donc nous, ce qu'on va faire là, on va remballer. Pour le moment, on va boire un petit café tranquille, histoire de se réchauffer un petit peu, hein, parce qu'il fait pas chaud. Et puis on y retourne. Allez, à tout à l'heure. Et alors, il est bon le chocolat? Il est bon le café? Bah, il était. Il était bon. Un petit chocolat, voilà. Chose due, chose faite. On va prendre des forces. Hein. Allez, ça à toi. L'équipe, nouvelle sortie, hein, pêche allemand aujourd'hui. Donc tu es avec l'équipe. Hein. J'étais parti au lit. Avec le Jean-Claude. Ça à toi. Oui. Alors Ronnie. Salut. Il est là. Salut les gars. Et les autres fous, hein. Ils sont là les fous. Salut l'équipe. Voilà, donc nouveau spot aujourd'hui. Donc Ronnie il pêche depuis 5h du mat.
Et apparemment ça colle, hein. Donc ici on devrait s'amuser. Donc voilà, bon, aujourd'hui il fait un peu frais. Aujourd'hui il fait un petit peu frais, donc on va vite se préparer. Hein. Bon, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, donc c'est juste un peu de la température basse. Mais c'est qu'un petit détail. Donc on va se préparer et puis on rallume dès qu'il y a quelque chose. Bon, je vous montre un peu ce qu'on a pris depuis tout à l'heure. Bon, pas énormément de choses, hein. Des petits trucs. Là, on vient de remonter un panneau. Bon, il est grand celui-là. Ça, pneu de mobilette, un guidon, énorme barrière. René doit sortir. Attends. Ah, petit volant. Ouais, quelques conneries. Ah, allez, on continue. Bon, nouvelle trouvaille, hein. On a ça. Restant de 4 de scout, hein, sûrement. Et puis là, un premier vélo. Wally. Bon, il n'y a plus grand chose. Je pense qu'on a nettoyé le secteur. Bon, en même temps, c'est pas grand. Hein. Sûrement là ailleurs. Allez, petite pause barbecue. Comme d'habitude. Hein. Chaque sortie, c'est barbecue. Ah ouais. On va se mettre bien. Ah, de la bonne merguez. De la chipot. De la merguez. Du pignon de poulet. La saucisse de Toulouse. Des pâtes. Tout ce qu'il faut pour se mettre bien. Allez, Wally. Voilà, voilà. Petite pause casse-dalle, hein. Petite pause barbecue. Puis après, on va changer de spot. Hein. On va là ailleurs. Bon, on vous reprend, on a Ronny. Hein. Ronny qui a du lourd. Regardez la corde, comment elle est tendue. Les objets insolites, on aime ça. Bon alors, t'arrives pas à la tirer ou quoi? De bonne main. Et les ski nautiques? Il te fout de la chaîne, il y a un bout de chaîne. Nouveau spot, bon, c'est où on était la dernière fois, hein, là-bas. Et là, on vous prend direct. Pour un vélo tout neuf, voilà, je rentre avec. On rentre avec celui-là. Mais non, mais pourquoi tu veux faire le Hulk tout de suite là? Doucement, doucement. Ah, celui-là, je l'ai vu à l'œil. Je l'ai snipé celui-là. Bon, tout compte fait, je vais pas acheter les mains-là, je crois. On sort le mien ou... Hein? Je l'aurai pas. Généralement, non, bah non, il va pas se... Jette le plus loin ton aimant, ou... Tu le chapeau dessus. C'est la chaîne. Là, pour un vélo, elle va durer 30 minutes, la vidéo. Alors, sur la pédale, ça doit pas lâcher, hein. Si ça lâche... Mon culé. Et pendant ce temps-là... Il y en a d'autres qui les pêchaient. Et d'autres qui les gardaient. Regarde, même les oies, ils se foutent de toi. Voilà, c'est bon, là, t'as la corde dans la pédale. Ouais, je peux repartir avec, là. Ah, c'est là, on repart avec, hein, direct, hein. Voilà. Bah, nickel. Allez, on vous reprend. Moi, je vous reprends, l'équipe. Bah, la nuit commence à tomber tout doucement. Je vous montre. Oh, superbe décor. Hein. C'est un kiff de pêcher ici. Hein. Et puis là, nouvelle trouvaille, là, pour moi. Un vélo. Hein. Bah, le restant d'un vélo, quoi. Donc, voilà. Bah, ce qui est nickel ici, hein, pareil. Hein. Tout ce qu'on a sorti depuis qu'on vient pêcher ici... Le lendemain, il n'y a plus rien qui traîne, hein, tout est ramassé, donc franchement, on fait du bon boulot, que ce soit nous, les pêcheurs allemands, à dépolluer, et ceux de la ville d'ici qui ramassent proprement ce qu'il y a ramassé, hein, donc franchement, top. Allez, on continue encore un petit peu.